Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans un deuxième épisode, le concept que j'avais créé, j'avais déjà vu sur YouTube, tout ça, c'est j'ouvre les packs, puis on voit qu'est-ce que j'ai pour faire un déchet. Là où j'ai pas encore fini de tourner, donc on continue avec un autre box de Upper Deck Impact saison 2, 2016-2017. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai la GoPro ici, juste là pour la GoPro qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit. J'ai la GoPro, on va voir les cartes avec l'angle de la caméra de la GoPro là-dessus, on va voir tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Au pire, je mettrai quelques angles au début. On retourne, désolé, ma soeur va parler. Donc, je disais que l'angle de la GoPro, ça va être pour voir les cartes. Je sais pas ce que ça va donner. Au pire, je mettrai 2-3 cartes, voir si ça a bien donné, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Puis sinon, si ça fait pas beau, ben on n'en met pas. Puis vous voyez, mes cheveux sont tout aplatis comme ça. Parce que ben, ça, c'est la tâche pour la GoPro qui fait ça. C'est sûr que c'est pas très confortable pour moi, mais ça va faire une autre angle de vue. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on est parti. On ouvre le sac pour la GoPro. Vous voyez déjà qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est une boîte comme ça en métal. Vous pouvez voir, c'est encore Nathan McKinnon. Donc, on est parti pour ouvrir la box. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on prenait dedans, en espérant qu'il y ait du Canadien, des recrues et tout ça, des cartes spéciales. Donc, on y va. Ok, j'ai fait une petite fente dedans. Vous voyez, avec ça. Donc, on ouvre. Donc, ça, on met ça là en attendant. On enlève ça, c'est marqué. Ok, gars, je vais vous lire que c'est marqué. On va mettre comme ça. Collectionner plus de cartes recrues Young Gun. Deux paquets bonus à l'intérieur. 8 cartes par paquet et 12 paquets par carte par boîte. Donc il doit y avoir à peu près 104. J'avais calculé tantôt comme 104, quelque chose de même par. Ben dans ça. Donc on est parti. Comme ça. Oh! Vous voyez comment c'est arrivé moi. J'ai pogné ça. Comme ça. Ouais. Jamie Benn, c'était comme. Regardez. Oh, si l'angle de la GoPro ne marche pas. Là, vous voyez, j'ouvre la boîte et j'arrive face à ça. Ça fait bizarre. Mais, ok. On tasse les ciseaux. Le top de la boîte. Donc, on va garder la carte de Jamie Benn comme ça. On va la garder de côté. On va la mettre sur le top là. Ok. Donc, vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Comme ça. Pour la GoPro. Comme ça. Vous avez 6. Je sais pas c'est lesquels les paquets bonus. Je vais mettre ça les ouvrir tout de suite. On est parti avec le premier paquet. Comme ça. Vous voyez, j'ai pogné. On voit la première carte. Ok, on vient d'abord. On commence avec une recrue, mais pas Young Gun. Une recrue d'il y a un certain temps. Nicolas Healer. On va encore mettre ici, là, le prix. Ouh, je vais l'échapper. La valeur de la carte. Nicolas Healer. Très belle carte. On la met ici. On y va avec celle-là. Une checklist de Brandon Holby, pour vous montrer avec la GoPro comme ça, celle-là, Brandon Holby, ouais, celle-là, quand même assez belle. Ensuite, Braden Chen, je crois que je l'avais déjà pogné à l'autre, c'est beau, on a Braden Chen. Oh, carte spéciale de Kevin Labanc. C'était une recrue d'après moi. Ouais. Marqué recrue. Donc une. Old school ou quelque chose de même. Donc une carte à l'ancien temps dans le fond. Ben l'ancien temps. Une vieille carte. Donc on va les mettre de côté les cartes spéciales ici. Ensuite, on y va avec celle-là. Gustav Nyquist. On l'a en triple. Ça. Ensuite, on y va avec Matt
Dumba, celle-là aussi, je crois qu'on l'a en triple. Matt Dumba. Ensuite, Antoine Roussel. Comme ça. Et la dernière carte, Ryan Murray. Comme ça. Donc, on met ce paquet-là de côté. On met ici. On continue avec un paquet de plus. On a pogné le truc pour les ouvrir. On avait pogné. Donc, la première carte, Evander Kane. Juste ici. On passe à la deuxième, Tyler Seguin. Oh, Evgeny Malkin. Je vais la mettre comme ça. Celle-là. On passe à la suivante. Oh, marqué rookie encore, Nick Schmaltz. Comme ça. Ensuite, bon, on va la mettre avec les autres. Dennis Wildman, des Flames de Calgary. Oh, Marc-André Fleury, un autre joueur des Golden Knights de Las Vegas. Très belle carte. Trevor Van Riemsdyk. Pouvez voir la carte. Trevor Van Riemsdyk. Et Jared McCann. Comme ça. Donc, on met encore le paquet de côté. Donc, encore une carte spéciale. Donc, deux cartes spéciales en deux paquets. Ok, on met ça de côté. Trop loin pour pas que je les échappe. Ok, on commence avec Brad Richardson. Comme ceci. Brandon Oldby. Marc-Édouard Vlasic, un Québécois. Comme ça. Et. Oh, une carte OPG maintenant, c'est pas une marquée rookie, c'est une comme elle, sauf que c'est Milan Lucic. Ensuite, Riley Sheehan. Nick Bonino. Celle-là, je suis content de l'avoir. Jonathan Drouin, nouveau joueur du Canadien de Montréal. Très, 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 très content de l'avoir. Je voulais l'avoir. Et on finit avec Connor Hellebuyck. C'est Jonathan Drouin là, que je suis content d'avoir. On va le mettre dans mon cartable avec les joueurs du Canadien. On va mettre de côté la carte de Milan Lucic. Donc, on va la mettre sur le top. Celle-là. Donc, Jonathan Drouin et le paquet vont de côté. Ok, on passe avec le paquet suivant. Comment ça fait de temps? Ça doit faire 10 minutes, ça fait 2G, c'est quand même beaucoup. Donc, on ouvre le paquet. Donc, on commence avec Luke Shen. Comme ça. Oh, elle est belle celle-là. Elle est vraiment belle. Carey Price. Vraiment une belle carte du côté de Price. Ensuite, Shane Monahan. Oh, une Upper Deck Canvas. Très belle carte de Kyle Okposo avec les sabres. Je vais mettre de côté. Oh, la checklist de Piqué Subban et Shea Weber. Celle-là, on l'avait aussi. Comme ça. Je vais mettre de côté. Ensuite, Jacob Voracek. Travis Zajac. Et Lars Eller. Remarquez ici, pour la GoPro, je sais pas si vous voyez bien. Ici, c'est marqué 2. Puis son numéro, c'est 20, c'est bizarre. On le met plus proche, là. Regardez sur le casque de Lars Eller. Marqué 2. Et son numéro, c'est 20. Juste ici. Et marqué 2 ici. Bizarre. Je sais pas pourquoi. J'ai remarqué ça la dernière fois. On met ça de côté, la canvas va ici. Comme ça. Bon, on prend ça. On loue.
Ok, on commence avec Chris Kunitz, nouveau joueur du Lightning de Tampa Bay. Richard Panik. Keith Yandel. Oh, une young gun. Tyler Bertuzzi. Une young gun, très content de l'avoir. On va la mettre de côté. Josh Bailey. Andrew Ladd. Oh, attendez. Mon ordi, c'est fermé. Ok. Alexander Burroughs. Et Kevin Fiala. Dans celui-là, on a eu une young gun. Ok, on commence avec Peter Mrazek. Ouais, comme ça. Peter Mrazek. Oli Mata. Alex Killorn. Oh, vous venez de voir un petit peu avec la GoPro. Et Nikita Zaitsev, je crois qu'on l'avait déjà, mais en tout cas, elle vaut cher, ça je sais. Ensuite, Jussi Jokinen. Mikael Butker. Louis Eriksson. Et Dimitri Kulikov. Donc la carte spéciale de ce paquet-là. C'était Nikita Zaitsev. Donc, on la met avec les... Oh! On a pas mis une canadien, mais qui est plus le canadien, malheureusement. Un de mes joueurs préférés, mais on va voir ça tantôt pour vous. Duncan Keith, la première carte. Deuxième carte, Sergei Bobrovsky. Drew Doughty. Oh! Ça, ça doit valoir cher. Une Young Gun Checklist de Mitch Marner et de Patrick Laine. Wow! Celle-là, je la trouve vraiment belle. On passe à la suivante. Je la mets avec les cartes spéciales. John Carlson. Ce serait possible d'avoir Carlsner, ça me fait penser. Ce serait le fun. Patrick Marleau, mesdames et messieurs. Patrick Marleau, si je me souviens bien, au montage, je vous mettrai cette séquence de moi quand j'étais plus jeune, mais au début de mes vidéos. Ok, on y va pour le pack jumbo, pack all jumbo, oh, Patrick Marleau, mesdames et messieurs, Patrick Marleau, 89 d'over, oh, 89. Ça fait 3 ans, ben, j'avais fait une overreaction Patrick Marleau dans NHL 15. Ok, Patrice Bergeron, dans la dernière carte, et on finit ça avec un team QC, David Desharnais, quand il était avec le Canadien. C'est qui dans le fond? C'est Old Montoya, ça. Ça, c'était Andrew Shaw. Donc, la Team QC est réunie. Si on voulait faire une Team QC, comme ça, on la met là. On la met là. La carte spéciale, c'était la Young Gun Checklist. Ensuite, on continue avec un autre paquet. Ok, Corey Schneider. Jacob Markstrom. Jason Chimera. P.A. Parento. Comme ça. Corey Crawford. Rasmus Ristolainen. Henrik Sedin. G.T. Miller. Et c'est tout pour ce paquet, aucune carte spéciale. On comprend le paquet suivant. On commence avec Sven Barchi. Malheureusement, il vient avec les Canadiens, mais une méchante belle carte. Pour ceux qui ont la GoPro, avec l'angle de la GoPro, vous allez pouvoir voir ça. Alexander Radulov. Radu. Radulov, une seule main dans la face. Quel but!
Radu! Wow! Ensuite, Jonathan Marchessault. Québécois aussi. Oh, Young Gun. On passe à Oliver Clinton des Flames de Calgary. Belle carte encore d'une Young Gun. On la met même. Ensuite, on passe à Dustin Brown des Kings avec le beau chandail de même. Je l'aime. Sauf que j'aime mieux le mauve. Ensuite, Adam Larson. Nathan McKinnon. Et Ryan Nugent-Hawkins. Carte spéciale, Young Gun de Oliver Clinton. Ok, on ouvre le paquet suivant. Ryan Rust. Oh, oublié. Ryan Rust. Eric Goodbranson, Tyler Ennis, oh, une upper deck canvas de Andrew Ladd, on la met avec les cartes spéciales, Nikita Kucherov, Lee Stempniak, ouais, la main. Jordan Stahl et James Reimer. On va sur le côté. Darren Helm, première carte. Fais attention. Nick Shore. Dan Amuse. Oh, ça, je crois que ça vaut cher des cartes de même. Je suis pas trop sûr, mais Brendan Carlo des Bruins de Boston en carte de même, je crois que ça vaut vraiment cher. Ramzin Verbata. Dominic Moore. Matt Reed. Et Zach Smith, des sénateurs d'Ottawa. Jack Johnson, la première carte. Je vous la montre ici. Joachim Nordstrom. Joe Morrow. Oh! Charlie Gingen. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ. Upper Deck Portrait Rookie. Ça là, ma préférée. Une très belle carte, je vous montre le verso. Une victoire en un match, attendez. L'an passé et cette année, il y a 3 victoires en 3 matchs à la Ligue nationale. C'est très très bon. Donc, je vous remonte sa carte à la GoPro. Et ici, au cas où. Donc, très content, on la met de côté, Charlie Lindgren. Ensuite, Steven Stamkos, du Lightning. Après ça, encore une carte du Lightning, Valtteri Filppula. Non, je crois qu'il est parti à Philadelphie, si je ne me trompe pas. Donc, je vous montre ça ici. Ensuite, Mikael Raffold. Et la dernière carte, Andrew Shaw, dans le Canadien de Montréal. Encore une belle carte d'un joueur du Canadien. Donc, c'est là-dessus que ça va se terminer cet épisode sur l'ouverture des paquets. Ensuite, on se retrouve dans l'épisode précédent. Mais l'épisode suivant, ça va être avec l'équipe devient DG sur NHL 17.
Donc, salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.